Alors, ce texte de Rousseau, extrait du discours sur l'origine de l'égalité parmi les hommes, 1755, moi, il m'étonne beaucoup. Parce que au début, il dit qu'il ne voit dans tout animal qu'une machine ingénieuse. Alors, je me demande, Marie, machine ingénieuse, pour Rousseau, c'est qu'une image, quand même, un animal. Est-ce que c'est vraiment une machine ? Non, pour lui, c'est... le corps humain, c'est vraiment une machine. Donc, c'est pas qu'une image. Le corps humain, c'est vraiment qu'une machine. Et il invente cette idée-là, ou il se place là dans une tradition philosophique ? C'est de Descartes. Descartes, alors Descartes, Cyril, tu es d'accord avec Marie ? Oui. Ça vient de Descartes, tu nous expliques un peu pourquoi c'est correct ? Parce que Descartes disait avant que l'homme comme l'animal étaient des machines ingénieuses qui étaient dirigées, l'animal, par son instinct. Et par son instinct. Et l'homme, en tant qu'il y a une machine, c'est pareil. Oui. D'accord. Donc c'est la thèse des animaux-machines chez Descartes. Vous vous souvenez ? La nature, pour Descartes, c'est quoi au fond ? Ça n'est que quoi ? Elle n'a pas d'âme, il n'y a pas d'âme, c'est du mécanisme. Ouais, le vent, c'est juste une machine. Une grande mécanique. C'est une grande mécanique, une grande horloge, et la nature, c'est de la matière, des nuées d'âme, avec des rouages, des mécaniques, d'accord. Ok, machine ingénieuse, ça veut dire, mais c'est de la chair quand même, hein, donc, mais c'est très fin, alors les rouages, c'est les rouages de chair. Les câbles sont faits de tendons, et peut-être les parties solides, les structures sont faites d'os. D'accord. Machine ingénieuse. À qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même, comme une horloge qui se remonterait elle-même, d'accord ? Et pour se garantir jusqu'à un certain point de tout ce qui tend à la détruire ou la déranger. Par exemple, qu'est-ce qui peut se passer ? Un mécanisme pour la faire réagir si on la blesse. Ah voilà, un mécanisme pour la faire réagir si on la blesse, fuir ou se défendre, etc. D'accord. Voilà pour l'animal. Et alors Rousseau enchaîne, j'aperçois précisément les mêmes choses dans la machine, à nouveau il parle de machine, dans la machine humaine. Donc Marie, pour Rousseau... Le corps humain et les corps animaux sont identiques. Oui, le corps humain et le corps animal sont identiques. Hein, il y a une identité matérielle en fait, de nature matérielle des corps. D'accord. Alors Cyril, donc Rousseau ne s'arrête pas là. Oui, lui dit que donc ce qui est différencie, c'est que le mécanisme de l'animal est guidé par son instinct, tandis que celui de l'homme est guidé par sa liberté. D'accord. Donc il dit, parce qu'il poursuit le texte en disant avec cette différence, donc il parle d'une différence, hein, que écrit-il, la nature seule fait tout dans les opérations de la bête. Ça veut dire quoi? La nature seule fait tout dans les opérations de la bête. Fanny, tu peux m'expliquer ça? Oui, c'est que... La nature seule fait tout dans les opérations de la bête. Donc, qu'est-ce qui agit dans la bête ? Bon, elle n'a pas vraiment d'instinct. Ah si, elle a des instincts, justement. Oui, mais pas de sentiment, pas de... D'accord, pas de sentiment, pas de... mais c'est-à-dire... Juste, oui, une sorte de mécanisme aussi. Un mécanisme, et ce mécanisme, il est naturel. Autrement dit, la bête ne choisit pas son action. Elle agit juste pour vivre et pour se reproduire. Pardon ? Elle agit juste pour survivre et se reproduire. Alors oui, mais cette idée-là ne veut pas dire ça exactement. Cette idée-là veut d'abord dire qu'elle ne fait qu'obéir à un commandement naturel, qui est celui de son instinct. D'accord. Donc la nature seule fait tout dans les opérations de la bête. Autrement dit, quand la bête agit au fond, qu'est-ce qui agit, Alice ? Son instinct naturel. Donc c'est pas vraiment elle qui agit. Elle est plutôt passive, en fait. Elle est agie, quoi. Elle est commandée, intégralement. Hein, c'est pas un agent libre. Alors que l'homme, au contraire, tu vois, Julie, au lieu que l'homme, l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. Alors là, on a une idée clé dans le texte. Hein, parce que, comme disait Cyril, pour Rousseau, ce qui va faire la vraie distinction... C'est la liberté. Donc la liberté, c'est quoi pour Rousseau ? Le choix de ses actions. Et ça, c'est le propre de l'homme. Ok. Alors, ensuite, dans le texte, il ne fait que... Il y a le mot instinct qui arrive, effectivement. Hein, il ne fait que poursuivre son explication. L'une choisit... la bête choisit par instinct, ou rejette par instinct, et l'autre par un acte de liberté. On a à nouveau le mot liberté, donc qui était apparemment essentiel dans le texte. Ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, écrit Rousseau, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. Donc, qu'est-ce qu'il occupait à faire ? Si on essaie de faire un peu le plan du texte, hein, Donc, on a une première, les premières lignes, jusqu'à machine humaine, qu'est-ce qu'on a ? À quoi est occupé Rousseau ici, Lucane ? Il est en train d'introduire le sujet en comparant l'animal et... Donc il fait une comparaison animal-homme, mais c'est pas tout. Il en dit aussi quelque chose, cette différence. Il introduit la différence. Ou plutôt,
Ouais, ou plutôt, en fait, il n'introduit pas de différence au début. Non, au début, non. D'abord, il parle de mécanique des corps. Oui, c'est ça. Donc, il parle de l'identité mécanique des corps. Donc, au début, il parle, effectivement, il compare l'homme et le mâle pour dire, eh ben, c'est la même chose. Du point de vue des corps, c'est ça ? Et puis, du point de vue de la spirituelle, peut-être. C'est... Alors, attends, ça, la notion de spiritualité, ça viendra peut-être un petit peu plus tard, mais bien que c'est ça dont il s'agisse. Donc, à partir de, avec ces différences, hein, et là, maintenant, il est occupé à donner... qui dépasse l'instinct comme donc ce qui est distinctif à l'homme. D'accord. Ok. Alors, on peut peut-être faire arrêter jusqu'à liberté, vous voyez. Parce que après le mot liberté, par un acte de liberté, que cherche à dire Rousseau dans les lignes qui suivent, et même en prenant l'exemple qu'on n'a pas encore lu de la fin du texte. C'est les conséquences de l'instinct et de la liberté. C'est ça, il tire les conséquences... de l'instinct, ça veut dire du fait que la bête est rivée à son instinct, et les conséquences du fait que l'homme peut s'en détourner. Et il tire les conséquences qui sont plutôt ici... Marie se souvient, les conséquences sont plutôt funestes, franchement funestes. Hein. Alors, parce qu'il dit... Hein, il parle de préjudice, hein, ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire... Hein, avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. Hein. Donc, c'est vrai. Alors après, il donne un exemple de ça. Alors on avait dit, hein, l'exemple qu'il donne, on peut éventuellement critiquer, mais on comprend l'idée. Hein. C'est ainsi qu'un pigeon, mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes, parce qu'il est végétarien, son instinct le commande de ne manger que des... plantes. Pas que des plantes, des végétules, des graines surtout. Hein. Merci, c'est ça. Et un chat sur des tas de fruits ou de grains. Quoique l'un n'ait l'autre, pu très bien se nourrir de l'aliment qu'il dédienne s'il s'était avisé d'en essayer, mais évidemment, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas se détourner ou se dégager de leur instinct. D'accord. Et puis, alors, pour l'homme, c'est ainsi que les hommes dissolus, ça veut dire quoi, Laïs ? Les hommes dissolus ? La dissolution ? Dissolution des mœurs ? Ils font n'importe quoi. Ils ont une vie déréglée, quoi. Hein, des comportements excessifs et déréglés. D'accord. Donc les hommes dissolus se livrent à des excès, c'est ça, qui leur causent la fièvre et la mort. Donc c'est vraiment funeste. Parce que, alors là on a une très belle phrase de Rousseau, hein, parce que, écrit Rousseau, parce que l'esprit déprave les sens et que la volonté parle encore quand la nature se tait. Donc, Nicolas, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que veut dire Rousseau ? Rousseau veut dire que l'humain peut aller plus loin que sa nature. Oui. Et que même quand son instinct naturel ne le commande plus, sa volonté et son choix, il pourra continuer. D'accord. Ouais, et plus loin, et comme dit Cyril, et à l'encontre. Sa volonté peut aller à l'encontre. À l'encontre de ce qui serait, que l'instinct lui commande comme était bon, lui recommande comme être bon. Donc on aurait peut-être trois parties dans ce paragraphe, vous voyez. La première partie où Rousseau pose l'identité homme-animal, la seconde partie où Rousseau pose la différence, et la troisième partie où Rousseau donne les conséquences funestes de cette différence. Ouais. Ah bah écoutez, je vous remercie.